crois vraiment que tu vas traverser ça avec une Clio? Quoi? Non. La faute à qui si on est là? Je sais, mais il doit bien y avoir un autre moyen de trouver 10 000. On va traverser cette vitrine. On prend tout ce qu'on peut et on se casse. Ok, laisse tomber, je vais trouver un autre moyen de les rembourser. J'ai besoin d'un max de poids à l'avant. La caisse tiendra pas, Lino. Ceinture. Casse-toi! Lino, bouge! Je suis vraiment content que tu sois venu. Comment ça se passe, s'il te plaît? Bon, c'est lequel? Celui-là. Oh. Ce mec a traversé 4 épaisseurs de béton armé. Il a fait ça avec une Clio. Il s'est à peine foulé le poignet. Je m'en branle. Tu veux qu'on arrête ce trafic? Alors laisse-le-moi. Le juge est OK. Pas trouver un gars ailleurs qu'en tôle? Non. C'est un magicien dont j'ai besoin. Et lui, c'en est un. Fais-moi confiance. Ok, mais je te laisse un mois. Et pas un de plus. Tu me ramènes 2 chaises, s'il te plaît? Je suis le chef d'une équipe anti-GoFast. Je suis pas dans le GoFast. Je sais. Regarde ça. Tu vas en avoir là-dedans. Je sais. Prends. Mes voitures sont pas à la hauteur. Aucune puissance, aucune résistance, aucune chance. C'est quoi votre caisse à vous? Une Renault 21, 2 litres turbo. Non, tu moques pas? C'est la première voiture d'interception utilisée par la gendarmerie. Je suis au courant. Mon père en avait une. Bon, vous voulez quoi? Que je recommande à mon dépanneur? Non, plutôt un beau mécano. Genre qui fait rien pendant les 2 prochaines années. Ça veut dire quoi, ça? Que j'en ai plein le cul que mes équipes se fassent écraser comme des hérissons. Je veux arrêter ces putains de dealers. J'ai les meilleurs pilotes. Tu vas leur donner les meilleures voitures. Vous êtes sérieux, là? Et te fais pas tuer pendant la nuit, hein. Je viens te chercher à 7h. Ta pente.
Interception 10-2 BM en visuel. GoFast confirmé. Je suis dessus, j'arrive. Laisse tomber, Areski. Julien est sur le coup. C'est bien, ça. Lâche pas. Allez, vas-y, cueille-le maintenant. Bloque la circulation. Alors c'est qui le patron ? On était dessus, putain. Vous continuez dessus jusqu'à Paris ? Eh ! Ah ! Oh, 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 oh. Oh, c'est bon, ça. Tu veux voir ça? Oh, putain. Jeff, t'as lancé pour le spoiler de la 300? Jeff! Quoi? Le spoiler! Ça fait 3 mois que j'attends! J'ai dit que ça arrivait le 21. Ah oui, sinon faut qu'on commande. Julien? Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, j'étais dans le passage. Ouais, exact, ouais. Alors tu retournes sous ta caisse. Charas? Quoi? Je peux rester là cette nuit, s'il te plaît? Encore? Ok, je préviens la prison. Mais demain matin, tu retournes en cellule. Alors? Oh, les abdules vulgarisés, mec. Combien? Frontal 140. Vitesse de pointe? De 40. Je peux encore optimiser le transfert de masse. Oh, tu nous fais chier avec tes trucs, là. Chut, tu vas nous tuer. Jeff, tu peux m'aider à mettre sur le pont ? On a fêté ça avec les gars, tu viens avec nous ? Non. T'inquiète, toi, Julia va y arriver. C'est pas Julia qui m'inquiète. Ça, tu me fais quoi, là ? Je viens de risquer ma vie pour toi. En 6 mois, il n'y a pas un GoFast qui nous a échappé. Tu sais que c'est pas vrai. Pour chaque GoFast qu'on attrape, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? 200? 300? Ils sacrifient des cargaisons entières. Ils nous donnent à bouffer et nous en mangent. Je suis sûr qu'ils ont des infos sur nous. Mais de qui tu parles? Qui ça, ils? Je vais pas tarder à le savoir. Tu surestimes l'adversaire? Je crois que t'as gagné cette guerre, Charas. C'est un peu grâce à moi, c'est tout ce que je dis. Si tu changes d'avis, tu te nous rejoins.
parler, Julia? Non. À lundi, Lilo. Faut vraiment que t'arrêtes avec ça, hein. Allez, viens, monte. Je dis juste que tu as une caisse de collection et que tu ne laisses même pas y jeter non, un coup d'œil. Non, personne ne touche à ma 2 litres turbo, regarde-moi ça. Alors déjà, je suis pas personne dans le milieu de la mécanique, excuse-moi. Et une nuit... Non, je t'ai dit non, non, jamais de la vie, point, stop, on arrête. Bon bah alors accélère. Parce que si je suis pas dans ma cellule à 8 heures, ça va être ma fête. Oublie ton bracelet un peu. C'est moi qui fixe les règles. Aujourd'hui, on fait un écart. Ça te plaît tout ça? Bienvenue dans notre futur garage, Lino. J'aime ta tête. Mais attends. Le meilleur, c'est ça. Une blague? Effectif dès la semaine prochaine. Moss a validé ça. En personne. Ne me fais pas marcher, Chara, joue pas avec moi. T'excites pas, mon grand. C'est une liberté anticipée, mais elle a ses conditions. Puis tu la mérites. Tout ça, c'est aussi grâce à toi. Ouais, bah tu devrais peut-être le dire aux autres. Un dollar dans l'équipe, ça s'étage, c'est ça? Ça fait 9 mois que je te vois te défoncer pour même pas un merci. Je crois seconde chance, Lino. Tu fais trop confiance aux gens. Mais surtout, change rien. Oh, tiens! À propos de confiance, j'ai trouvé ça dans le GoFast d'hier. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? C'est un dérivateur d'injection. Ouais. Ton moteur prend 300% de puissance. Par contre, ça dure 200 mètres avant que ça pète. Ok. Sauf que la dernière fois que j'ai vu ce machin, c'était dans une Clio qui a fini dans une bijouterie. C'est exactement le même. Et t'étais pas tout seul ce soir-là. Un an de passage, Charas. C'est comme mon petit frère. C'est pas lui que je veux. Je suis sûr qu'il travaille pour les mecs que je cherche. Quentin, c'est pas un cerveau. Il est juste abonné au plan foireux. Il va falloir combien de temps avant que ton petit Quentin il se retrouve derrière un volant et qu'il finisse encastré dans le radiateur d'Areski? Tu me donnes ta parole. Tu l'as, ma parole.
T'es sûr qu'il est là? Non. Attends, on attend Reski. Il répond pas, Reski. T'as deux minutes, pas une de plus, hein. Reski, putain, décroche ton portable. Je suis avec Lino, ça peut péter. Rappelle quand t'as le message. Surprise! Oh, tu t'es lancé dans la cartographie? Tes conneries, il faut que tu bouges, frérot. Alors déjà, tu vas me faire un câlin. Lino, passe-moi ton numéro, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tu cherches quelque chose? Non, je suis venu voir mon frangin. Ton frangin, il est occupé, repasse une autre fois. Je vais pas le laisser... faire un tour de 3 heures. On va boire un coup et je vous le ramène, on sera pas long. C'est toi qui l'as fait venir ici? Mais rien du tout, Lino, faut que tu te casses. Non, mais c'est bon, Quentin. On devait passer la journée ensemble, on passe la journée ensemble. Tiens, te fous dehors.